What's up YouTube? Excusez-moi, j'ai toujours rêvé de faire une entrée fantasque comme ça. Bon. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai la patate. Alors, nouvelle thématique aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je reviens vers vous pour vous parler d'un truc qui est hyper important. Fait est mieux que parfait. Alors, c'est une expression que je répète beaucoup aujourd'hui, que j'utilise des tonnes, mais que je trouve vraiment essentielle pour avancer. Et je vais vous expliquer pourquoi. Fait est mieux que parfait. Alors, pourquoi fait et pourquoi parfait? C'est vraiment intéressant ces deux mots, ces deux termes qu'on utilise. Et d'ailleurs, qu'on utilise parfois très mal à mon goût. Pourquoi est-ce que je dis que fait est mieux que parfait? Parce que aujourd'hui, on pourra toujours faire mieux demain, en fait. Si je pars de ce constat-là, qu'on pourra toujours faire mieux demain, et qu'on est sans cesse dans l'attente, en fait, d'avoir un meilleur conditionnement, d'avoir de meilleures probabilités de réussir plutôt que de faire, on n'avancera jamais. On réussira jamais parce que finalement, tous les jours, on trouvera une meilleure raison pour décaler l'échéance de ce que l'on doit faire. Alors que si dès aujourd'hui, j'ai une idée, je sais que demain, je pourrais faire mieux, mais déjà aujourd'hui, j'aurais commencé à le faire. Dans le business, comme dans la vie, ça tient sur énormément de pentes et sur énormément de sujets. On pourrait prendre plein d'exemples géniaux qui permettraient de directement se mettre en phase avec ça, mais... Si vous avez envie de lancer une société et que vous attendez demain et que vous n'avez pas de réelle raison, j'ai pas mon matériel, j'ai pas ci, j'ai pas là, ok, lancez-vous. Faites-le tout de suite, démarrez maintenant avec les moyens que vous avez, voyez ce que ça donne, voyez quels sont les résultats, analysez-les et faites mieux demain. Mais n'attendez pas, faites-le tout de suite. On dit par exemple que investir dans l'immobilier c'était mieux il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Ok, très bien, mais après hier, c'est quand le meilleur moment pour investir? Après, hier, c'est quand le meilleur moment pour réaliser quelque chose d'important dans votre vie? C'est aujourd'hui, c'est pas demain. Alors mettez-vous maintenant, fait est mieux que parfait. N'attendez pas que parfait se pointe pour pouvoir démarrer quelque chose. Faites-le tout de suite. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de le faire? Quelles sont les pires conséquences qui pourraient se passer en démarrant votre business aujourd'hui? Vous n'êtes pas assez prêt, vous n'êtes pas parfait, vous ne connaissez pas peut-être le domaine d'expertise parfaitement sur le bout des doigts. Mais vous connaissez quelque chose, vous avez envie de partager, vous pouvez amorcer aujourd'hui déjà un business. Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous attend? Alors voilà, c'était mon conseil du jour, arrêtez d'attendre, fait est mieux que parfait. Lancez-vous maintenant, amorcez quelque chose, faites-le sincèrement et avec passion et il n'y a pas de raison que ça soit mauvais. Dans tous les cas, la perfection n'arrivera peut-être jamais, demain vous aurez une autre idée de la perfection, alors lancez-vous et faites-vous plaisir. Allez, c'était Enzo, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, mettre un petit pouce bleu, commenter. Je vous dis à très vite. Ciao.